Salut à tous, aujourd'hui j'ai reçu un colis. Donc c'est un colis de qui vient de Sampleo. Alors en fait c'est un test que je voulais faire sur Casgrain, la marque Casgrain. Voilà. J'ai reçu des petits bons. Donc ça sera distribué aux personnes de mon entourage. Voilà, ça me confond un peu. Et voilà. Donc je vais tout ouvrir comme ça. Donc voilà, j'ai tout sorti. Donc il y a artichaut, moutarde de Dijon et note d'agrumes. Concassé de tomates, parmesan et origan. Ah, ça c'est pas cool aussi. Poivron et tomates cerises, paprika fumé. Oh là là, j'adore le paprika. Caverne d'aubergine, touche de Marsal. J'aime bien l'aubergine, donc ça doit être bon aussi. Tapenade, olive noire et thym citron. Oh, ça doit être trop bon, thym citron. Voilà. Donc je vais faire déguster ça à mes proches, forcément. Ça a l'air d'être trop bon. Donc c'est des tapenades, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est des petites tapenades à mettre sur des petites tartines ou des petits toasts, du petit pain toasté, tout ça. Pour l'apéritif, tout ça. Et je trouve ça bien cool. Parce que c'est des goûts qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les aromates dedans, tout ça. Donc on va goûter tout ça. Maintenant environ un mois que mon chéri et moi avons goûté les tartinables, c'est comme ça qu'ils écrivent sur le papier, les tartinables Casgrain. Donc je vais vous donner tout de suite nos avis. La plupart des avis sont communs, enfin sont la même chose pour les deux, donc je vous dirai quand ça sera différent. Donc premièrement pour la tomate parmesan origan. Alors on ne sent pas le parmesan, par contre on sent l'origan en arrière-bouche, vraiment en fin de bouche. Et ensuite on sent très bien le goût de la tomate, donc celle-ci elle est très bonne. Ensuite il y a dans la artichaut, moutarde de Dijon et note d'agrumes. Elle a vraiment pas de goût, elle est fade, mais alors quand je vous dis fade, c'est comme si vous mangez du carton quoi. Et en plus elle a un arrière-goût bizarre, mais un vieux goût bizarre, je sais vraiment pas ce que c'est, mais alors je vous jure celle-là elle est horrible, il faut surtout pas l'acheter celle-là, elle est trop bizarre. Ensuite la poivron, tomate cerise et paprika fumée. Celle-ci elle est très bonne. On a un côté un petit peu sucré certainement à cause du poivron rouge. On sent pas le goût du paprika, par contre on retrouve l'arrière-goût de fumée. Donc celle-là je vous la recommande, elle est vraiment trop trop bonne. Ensuite il y a la caviar d'aubergine, touche de masala. Donc celle-ci elle est pas mauvaise, elle est un peu fade parce que bah, déjà le légume, l'aubergine, elle est, c'est pas quelque chose qui a un goût super prononcé en légumes déjà. Donc je sais pas, il y aurait peut-être fallu rajouter une épice, quelque chose qui pepse bien. J'aurais peut-être dû essayer de rajouter même, je sais pas, peut-être un peu de sel de Guérande au-dessus. Enfin, vraiment rajouter un truc parce que il manque quelque chose dans celle-là. Elle est vraiment fade. Et ensuite, celle pour laquelle on n'est pas d'accord, mon chéri et moi, c'est pour la tapenade olive noire et thym au citron. Enfin, thym citron. Celle-ci, moi, je la trouve bonne. Je trouve qu'on sent bien le goût d'olive.
Par contre, pour moi, on sent pas assez le thym citron. Et comme j'adore le thym citron, forcément, voilà. Tandis que par contre, mon chéri, c'est ce qu'il aime pas en fait. Il aime pas l'association avec le thym citron. Il trouve que ça fait un goût bizarre en fait. Donc voilà, on est divergent par rapport à cette. Celle-ci. Nos avis divergent. Mais sinon, ouais, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Hein. La tomate parmesan origan, bon certes, on retrouve pas forcément tous les goûts, mais elle est bonne. La poivron tomate cerise paprika fumée, elle est super bonne. Et la tapenade olive noire, thym citron, moi je l'aime super bien. Donc voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que mon avis, enfin notre avis vous aura servi. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un like et de vous abonner si mon contenu vous plaît.